Yves Buteau n'est pas la brute raciste que l'on présente, même si on peut l'accuser d'alcoolisme, de marginalité ou encore de magouille. Monsieur Barkevics, avec ses trois fils, ses deux chiens, son fusil 22 long rifle, son pistolet, sa carabine à plomb et même sa baïonnette. Et il change deux fois par jour. Tous les ingrédients sont réunis pour le drame. Monsieur Barkevics est connu dans la cité, particulièrement des jeunes maghrébins. Le soir tombé, il semble en effet avoir la mauvaise habitude de lancer les chiens à leur trousse. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il m'emmerdait. Un con, et puis voilà, des gros mots, des insultes. Et ben, quand on en a marre. Ah, le premier, là, pas très loin, là, il s'est caché là-dessus, là, l'autre, il l'a chauffé, il a attrapé le bras, et puis allez hop, il a échoué. Moi, dès que je l'ai vu, je l'aurais fait, sauvez-vous, il va se passer quelque chose. Vous avez vu ce qui s'est passé à Saint-Florentin et à Rouen, monsieur? Il a pris son fusil à tirer dedans. Les victimes. Puis ils nous ont tiré dessus une fois en l'air, puis moi, j'ai pris peur, j'ai... Il a eu un chien comme ça à la place, il dansait, ben c'était bon, hein. Oh, fais-moi le malin maintenant! Oh, fais-moi le malin!